là, du coup, ils vont... Ouais, bah, je vous dis bouge. Alors, on va pouvoir on va pouvoir décoller de la 2, alors c'est cool. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié un truc. Bon, je vais l'appeler. Me découpe pas l'aile. Relax. Bon, et bah allez, on y va. Ok, et ben allez, on met plein gaz. Et puissance disponible, on lâche les freins. Et on tire le manche. T'as mis les météorites au fond ou pas toi? Oui. Et virage droite. Ah, tu traces, hein, je suis à 110. Ah, attends, je ralentis. Putain, y'a des bourrasques devant. Hein. Ouais, j'ai pareil. Allez, je te vois. Putain, la vitesse et puis la VS, ça fait n'importe quoi. Quoi, la vitesse quoi? Bah, la vitesse, ça passe de 110 à 90 en l'espace de. Un dixième de seconde. Non, moi j'ai pas le badin qui change, mais j'ai pas des secousses. Puis pareil, ça monte, ça descend. Putain, c'est fou. Du coup, on va faire un léger virage droite maintenant.
parce que je me t'ai rapproché de toi, mais Connie, que j'ai eu du bruit. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est Mika qui fait du bruit. Ouais, il fait du bruit. Donc tu vois, juste devant nous, là, sur, à peine sur la droite, là, c'est les trois villages là où j'habite. Ok. Attends, j'ai changé de tête pour voir là. Ouais, bah là, je vois tout pour toi et les villages. Donc, c'est sur quelle maison qu'on s'écrase? Dans le village du milieu, juste en dessous de la forêt, il n'y a pas les maisons, mais tu vas voir, ça fait comme une botte. Il y a un chemin en cailloux. Et en fait, ma maison, elle se trouve là. Dans les cailloux, ok. À côté des cailloux. Je te dirai quand ça sera dans notre aile droite. D'accord. Ah, tu vois, si tu suis la route qui est en dessous de nous, pour traverser tous les villages, ouais. Il arrive un moment où tu as un grand champ sur la droite. Ouais. Juste au-dessus de ce champ, il y a le petit chemin en caillou qui ressemble à une botte. Je vois pas... Ah oui. Ouais. Et donc bah, je vois... C'est presque le... dans l'aile droite. Voilà, j'allais dire, ouais. Du coup, je vois là où il n'y a pas les maisons. Voilà, c'est ça. Et ben c'est là. Puis après, si on continue, on a le... On a les gorges de Rouen qui sont assez sympathiques. Je te vois plus. L'aile gauche. Ah oui, ok, je t'ai vu. Il n'y a pas tant de nuages que ça au final. Moi c'est couvert. Ouais, bah moi c'est pareil, c'est couvert, mais je pensais qu'on n'aurait pas de visibilité avec la météo réelle. Ah oui, d'accord. Bah, tu vois, ça me plaît là, un petit tour des horizons en DR400, belle météo. Et ça avance. Malheureusement, faire ça au-dessus de chez moi, ça sert à rien, c'est Bruxelles, on verra que dalle dehors. Ah, bah. Sauf qu'on verra des maisons sur 20 km. Ouais, c'est ça, quoi. Et voilà. Et du coup, bah là, juste en dessous, là, on a les gorges de Rouen. Ouais, je vois ça. Et ça, c'est une route pour les motards, ça. Ah. Et tu vois aussi, on a montré une bonne chez lui, là, quand on est dans l'hélico. Ouais. Ça me paraît qu'il a dit, tu vois, cette maison, enfin, cette route-là. Bah là, je passe à fond. Allez, virage gauche. Je vais te montrer une route où il y a... Enfin, je sais pas si on la verra, j'ai jamais fait attention. Il y a une course de côte chaque année, en fait. Ah. Si elle y est en vrai, elle doit y être dans OSM. Je redresse ça. Max? Ouais, pas besoin de hurler comme ça, Mika. Max? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Mika? Ah bah, Mika, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il est où? La route est là, sur la droite, là. Ouais, je vois ça, j'ai du temps, c'est ça. Il y a des virages en épingle et tout, c'est assez sympa. Si laisser déporter à droite, je reviens à notre gauche. Et
Ouais, je vois les épingles, ouais. Putain, c'est, ça rentre, c'est bien. Ça descend pas mal. Ça remonte. Ah, je sais pas si c'était peut-être toi qui a ralenti, mais je te rejoins. Il y a peut-être eu un coup de vent là, pour l'instant je suis toujours à 100 nœuds. Ouais, bah je sais pas, depuis tout à l'heure j'avance, je peux essayer de rester avec toi. Bah c'est bon, je suis derrière, je reviens. Voilà, putain, j'ai eu un gros coup de vent. Ah, je t'ai vu. J'ai pris 100 VS, quoi. Ah oui, comme ça, d'accord. Attends, VS, non, moi j'ai pas rien, je monte à 500 km. Je sais que tu parlais en vitesse indiquée. Voilà. Donc là, on a la petite ville de Hornans en dessous. Si on continue, on a Besançon qui est à peine plus loin. Ça, je Avec, connais il y a un Besançon. petit aérodrome avant Besançon, il s'appelle Lavèze. Ah merde, la météo s'est mise à jour et ça t'a TP. Ouais, je t'ai vu reculer, j'étais en train de te regarder. On va aller un peu à droite. Oh, la météo qui se met à jour. Ah, je vois un phare au loin. Ce serait le terrain dont tu me parlais là, Besançon. Allô? Tu m'entends là? Teste le micro là, tu m'entends? Je t'entends pas beaucoup. Ah bon? Attends, je vais régler ça là. J'ai remonté ton volume de mon côté. Ah ok. Pourtant dans mes paramètres Windows il est à fond donc je peux pas des plus. Wow, c'est fou, putain, les bourrasques de vent qu'il y a. Là, je viens de te voir passer. Ah, donc je suis devant? Ok. Ouais, je suis dans tes 9 heures presque. Allez, vas-y. Je sais pas pourquoi je regardais à droite, c'est l'autre côté. Bon,
Donc on a l'aérodrome de Laves qui est juste devant nous. Ok. Ah, donc c'est bien ce que j'avais vu, d'accord. Oui. Je me demandais c'était quoi ce phare. Et puis, bah devant, c'est Besançon. On sort un touch and go ici ou quoi? Ouais. Allez, je te suis. Un touch and go ou un posé? Touch and go, et puis on retourne à Montagne. Vraiment que tu veux montrer le Ok. truc. Devant, ça a l'air joli ici. Ton avis, le vent il vient d'où? De quoi? Je dis le vent il vient d'où à ton avis? De tous les côtés. Pire, on fait un passage vertical, on regarde la manche à air, ce que ça donne, et puis on repasse. Ouais, on va le faire comme ça. De toute façon, c'est pour repartir. Ouais, et puis un Tocheco, c'est une arme. Comment ça bouge? J'aime bien quand ça bouge comme ça. Bah dis-toi, j'ai toujours connu que ça, hein. J'ai jamais connu de météo où le vent n'était pas... On va dire, où le vent était lisse. Genre le T6, tu te souviens, quand on faisait nos tests en T6, bah, c'était tout le temps comme ça, hein. C'était chiant. Ouais. On peut faire dans les virages déjà. Allez, virage gauche. Je ralentis un peu. Ah, c'est marrant, moi je suis à Eden et je te dépasse encore. Ah, moi je suis pas idle. On peut descendre plus, hein, On est un contre. peu haut, hein. Ah, tu peux descendre plus, hein. Ouais, parce qu'on est un peu haut là. Ouais, bah j'accélère comme un fou. Moi je suis à Eden et je laisse planer. Bah pareil. J'ai la bande de droite. Ouais, puis j'essaye de viser celle de gauche. J'arrive vite, hein. Pareil, je suis à 102. Bah, je touche pas, moi. Ouais, moi je flotte aussi, là, je touche même pas. Allez, bah, attends, voilà, c'est remise de gaz dans les airs, voilà. C'est ça. Bon, voilà, on a fait une passe TB1. C'était pour voir la manche à air. J'ai même pas regardé en fait. Je te suivais. Allez, virage droite. On passe par où maintenant? Bah, on retourne à Pontarlier, hein. Ok. Tu me mets avant de nouveau, tu peux un peu ralentir. Je suis à 102. Je suis également à 102. Ok, je ralentis un peu. Prochain test, je t'emmènerai du coup à Cipierre depuis Fayence. Ouais.
Eh bon, là j'ai pu accélérer 110 de. T'as combien? Je suis à 95. Ouais, je te vois. Ah, tu peux arrêter du gaz. Et c'est pas ce qui rate le Scarix, ça. Ah, c'est clair. Au niveau RPM, t'as combien comme ça je cale sur toi? Au RPM, je suis à 2 à 22. Ok. Entre le vert et le rouge, quoi. Non, je suis dans le rouge. C'est trop pour moi, je mets du rien en face. Ouais, on doit pas avoir tout à fait la même météo du coup. Sans doute. Hein. Ah, ça ne se coupe plus chez moi. Bah moi ça se coupe le début. Ah ok, ah bah j'ai un niveau là, ça va, bon, ça se coupe. Là, on va arriver au circuit que tu m'avais montré tout à l'heure, c'est ça? Bah il est juste à droite là, ouais, c'est ça.
Ah, c'est vrai, je pensais que c'était devant. Ah oui, je le vois. Voilà, on est à 3500 pieds, on va rester là. T'es à pile 3005? 3005 pile, ouais. Ok, je règle l'altimètre sur toi. On va faire un léger virage droite maintenant. C'est dommage qu'on n'a pas pensé à prendre les radios, tiens. Ouais. Ça, j'aurais pu faire le mic click. Je remets à plat. Et on va ralentir à 90 maintenant. Ça vient de chez toi, ce son? De quoi? Je viens d'entendre le bip très connu de quand on déconnecte le PA sur 3.
Et virage droite. On corrigera un peu parce que du coup j'ai loupé l'axe de piste. Allez, on sort un cran de flaps et on descend à 80 nœuds maintenant. Et correction gauche, et on est axe de piste maintenant. Je vais derrière toi pour poser un A13, je sais pas si. Ok, ça marche. J'ai pas tenté le PS avec ce vent et ces secousses. Ouais, ça souffle pas mal. Puis moi, tout à l'heure à Laveyze, en visant la bande de gauche, j'étais dans l'herbe. Là, tu dis, mais quel con qui a déplacé la piste? La visée de la piste, elle était bien, bien masquée avec la petite brume, je sais pas. Ouais. Enfin, pas la brume, mais du genre dégueulasse comme ça. Allez, on continue de ralentir, on vise les 60 nœuds en mettant flaps 2. Et flaps 2. Et 60. Le vent me pousse à gauche, quoi. J'ai eu pareil. Hey, Snipes. Ouais. J'achetais le Cliff Dover avec Ah. toi. Je vais bientôt acheter le Cliff Dover avec toi et moi. On peut s'entraîner en Dorfai ou en IN2, là, c'est bon, c'est Ah, possible. bah ouais. J'aime bien s'entraîner les paires ciseaux, tu sais, les ciseaux, là. Ouais, bah on s'entraînera, t'inquiète, on sera même à plusieurs, il n'y aura pas que toi et moi, il y aura tout le monde. Bon, je vais acheter du Kibble Ouais. Over, ok? Donc, il faut télécharger le Steam, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais télécharger le Steam et j'ai Et acheté le toucher. Kibble Over, c'est ça? Ouais. Ok. Je me laisse rouler. Ok. Je suis bande de droite. Ouais, j'ai un peu posé fort, j'ai rebondi, j'ai retouché, voilà. Comme ça. J'ai sous-estimé le manche. Et je freine, j'arrive en bout de piste. On aurait pu quitter dans le gazon, non? Il remontait direct. Ouais, je sais pas. Enfin, ça se fait pas en tout cas, mais je sais pas si. Allez, on va tester. On Pas devrait d'exprès, pas moi je le casser fais, l'avion. hein. Je sais que dans FSX, quand on faisait ça, ça cassait l'avion. Ah oui, non, moi je parlais justement de X-Plane parce que IRL le fait, mais là on risque rien de X-Plane. Je quitte derrière toi. Toi aussi, c'est une piste en terre. C'est une piste verte, quoi. Ouais, Enfin, c'est du une moins. piste. J'ai jamais testé de me poser dessus. Putain, même au sol, ça nous envoie soit à gauche, soit à droite. Moi ça va, le ballon il tient là.
Non, il a quitté la piste pour le jeu. Snack? Ouais. Tu sais manœuvrer le ciseau? Bah oui, pourquoi? Merde, tu sais les techniques ciseau ou warbird. Ah bah je te montrerai, hein. C'est pas compliqué, c'est comme dans BMS, hein. C'est la même chose. Mais en fait, pendant le ciseau, il faut qu'on baisse la gaz, le gaz à minimum, c'est ça, non? Ou pas non, ça? Non, c'est une gestion d'énergie, hein. Tu touches pas au gaz, en fait, de gérer ton énergie. Comment? De gérer ton énergie, tu as pratiquement une gaz à fond. Gaz à fond? Pas à fond, mais en tout cas, tu gardes ton régime. Tu bouges pas, quoi, c'est ça? De toute façon, je te montrerai, parce que là, parler, ça veut... Tu vas pas comprendre grand-chose. Ici à gauche, à côté de toi. En général, on se gare là quand on a fini parce que l'avion il va dans le hangar après. Ah ouais. Bah, je fais comme toi alors. Ah, la frein de parc, mais. Et pareil. Et ben c'était chouette. Ouais, c'était cool. Voilà, pour la postérité. Garde ça bien au chaud.